Car la vraie beauté vient de l'intérieur.
Lorsqu'il la congédia à nouveau, la laideur de la vieille femme s'évanouit soudain. Pour révéler une ravissante enchanteresse. Le prince implora son pardon, mais il était trop tard. Car elle savait que son cœur ignorait la vie. Elle le transforma en une bête monstrueuse et jeta un terrible sort sur le château et sur tous ceux qui y résidaient. Thank you.
bizarre. Bizarre? Ma fille, bizarre. Et qui t'a mis une telle idée dans la tête? J'en sais rien. C'est ce qu'on raconte. C'est un tout petit village. Les gens ont l'esprit étroit, voilà tout. Mais un village est plus sûr qu'une ville. Alors, qu'est-ce que je peux te rapporter du marché? Une rose, comme celle du tableau. C'est ce que tu demandes chaque année? Et chaque année, tu m'en rapportes une. Et j'en rapporterai une autre. Tu as ma parole. Au revoir, papa. Au revoir, Belle. En avant, fille Belle. Tu connais le chemin? À demain soir. Promis, demain soir, avec la rose. Surtout, sois prudent. Oh, Belle. Sais-tu ce que deviennent les vieilles filles de ce village une fois que leur père décède? Des mendiantes, comme cette pauvre Agathe. Nous avons le monde à nos pieds. Que peuvent rêver de mieux des gens aussi comme moi que vous? Je suis peut-être une simple fermière, mais je suis tout sauf commune et... Jamais je ne serai ton épouse, Gaston. Pour qui me prend-il? Moi, épouser ce rustre, cette brute épaisse? Madame Gaston, non mais quelle idée! Madame Gaston, sa petite femme, oh, ça non, jamais, je suis désolée, j'aimerais pouvoir enfin vivre mes rêves. Thank you.
Oui, je vois bien que c'est une fille. J'ai perdu mes mains, pas mes yeux. Si c'était celle qu'on attendait, celle qui va rompre le sort. Qui a parlé? Qui est là? Gaston,
sais pas pourquoi tu déprimes. Tous les garçons aiment la basse dans Gaston. T'es vraiment un gars sublime. Ils voudraient tous être comme toi, mon chouchou. T'es vraiment un préféré de la bande. Et devant toi, toutes les filles sont à genoux. Ce n'est pas difficile à comprendre. Le plus fou, c'est Gaston. Le plus fou, c'est Gaston. Et personne ne sait tordre les coups comme Gaston. Un caïd qui a des chiens et des manières. Et je suis ravie de faire votre connaissance.
Sachez que j'admire ce que vous avez fait pour votre père, ma chère. Je m'inquiète pour lui. Il ne s'est jamais retrouvé seul. Ne vous en faites pas, mon enfant. Les choses s'arrangent toujours avec le temps. Vous vous sentirez beaucoup mieux après le bon dîner. Mais il a dit, si elle ne dîne pas avec moi, elle n'a droit à rien du tout. Oh, il ne faut pas l'écouter quand il est en colère. Dans ces cas-là, sa parole dépasse sa pensée. Vous venez, ma petite ? Ma chère mademoiselle, c'est avec une profonde fierté et un immense plaisir que nous vous invitons ce soir. Voilà, à présent, vous n'avez plus qu'à vous détendre. Veuillez vous mettre à table et laissez la haute gastronomie française vous présenter. Votre dîner. C'est la fête, c'est la fête. Service garanti impec. Mettez votre petite gaga chérie, nous, on va au reste. Plat du jour, et hors d'heure. Ici on sert à toute heure. Cuisine au beurre, c'est la meilleure. Et croyez-moi, je suis connaisseur. Tout le monde chante, tout le monde danse. Oui, mademoiselle, c'est ça la France. Notre cuisine est absolument parfaite. Prenez dans le menu. Et quand vous l'aurez lu, on fera la fête. Ce sera chouette, maninette. Sans des copines, j'ai la tête pour jongler avec mes potes chandeliers. C'est comme la tradition, c'est rentrant. Allez, levons nos verres et sautons la barrière pour les fillettes, très soudaines. Moi, je connais qu'une seule recette. Faire la fête, c'est la fête, c'est la fête. La
Il faut vous lever. Si vous ne vous étiez pas sauvé, nous n'en serions pas là, vous. Et si vous ne m'aviez pas fait peur, je ne me serais pas sauvé. Vous n'aviez rien à faire dans les West. Et vous, vous devriez essayer de vous contrôler, vous ne croyez pas? L'amour peut engendrer grâce et dignité. L'amour ne voit pas avec les yeux, mais avec l'âme. Voilà pourquoi Lélé Cupidon est peint aveugle. Vous avez lu Shakespeare? J'ai eu droit au meilleur des professeurs. Je crois que Roméo et Juliette est ma pièce préférée. Voilà qui n'est pas une surprise. Que voulez-vous dire? Toutes ces gérémiades, ces peines de cœur. Il y a tellement mieux à lire. Comme quoi? Eh bien, vous trouverez peut-être une ou deux choses intéressantes ici. Ridicule. Jamais elle ne pourra m'aimer. Ne vous dé-
cessé de répéter ça. N'attendions personne. Mais vous l'appréciez, n'est-ce pas? Dans ce cas, charmez-la avec de la musique romantique lors d'une soirée aux chandelles. Oui, et le moment venu, faites le grand saut. Mais comment saurais-je quand? Quand vous aurez une légère nausée. Ne vous en faites pas, maître, tout se passera bien. J'ai vu marcher souvent sur les pieds.
doit vous manquer. Énormément. Voudriez-vous le voir ? Papa ! Mais qu'est-ce qu'il lui faut ? Il semble avoir des ennuis. Vous devez aller le sauver. Qu'avez-vous dit ? Vous devez le sauver. Pas de temps à perdre. Eh bien, maître, je n'y croyais pas, mais tout se déroule avec une précision d'horlogerie. Le grand amour a fini par triompher. Je l'ai laissé partir. Vous... Quoi ? Mais comment avez-vous pu faire ça ? Il le fallait, voilà tout. Mais pourquoi ? Parce qu'il est tombé amoureux. Alors pourquoi ne sommes-nous pas humains ? Parce qu'elle ne l'aime pas en retour. Et à présent, il est trop tard. Mais elle pourrait encore revenir. Non. Je l'ai libérée. Navré de ne pas avoir pu faire de même pour vous. À présent, laissez-moi. Notre heure sera bientôt venue. Comme je suis loyal envers ta famille, mais ton père tient des propos absolument invraisemblables. Gaston a raison, Belle. Il prétend constamment avoir vu une bête dans un château. J'arrive précisément de ce château et il y a une bête. Ne soyez pas effrayés. Il est gentil et bienveillant. La bête ne vous fera aucun mal. Vous m'avez parlé de la magie noire, mais jamais je n'en avais vu les effets de mes propres yeux. Cette chose menace de nous détruire à jamais. Cette créature nous perdra tous si nous ne l'arrêtons pas. Je vous le dis, il faut tuer cette bête.
lumière. Regarde. Oh, mon prince. Bonjour, mon vieil ami. Oh, je suis sûr de vous revoir. Vous nous avez sauvé la vie. Oh!
applaudissons la belle, la sublime, belle Alicia. Votre première partie de spectacle est terminée, mais n'oubliez pas la deuxième partie dans quelques instants, car dans 30 minutes exactement, Mozart, l'opéra rock, va se préparer derrière. Moi, je vous applaudis sur Mozart, quoi, parce que là, il est... Et à dans 30 minutes pour Mozart.